Les 73-51, Billy 2-4, 2, Dandy 33. Oh, t'es en train de bouger. Ben, déjà pour commencer, bonne année, meilleurs vœux 2024. Bon, ben, te souhaiter du boulot, ça, je crois que t'en as plus qu'il n'en faut, Hachi. Plein de QSO de toutes sortes. Oh, ben, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je suis en repos après avoir bossé tout le week-end. Ah ouais? Ok, bah c'est du 55-57 là de mon côté. Il y a, t'as une tempête qui est passée par là, c'est ça? D'accord. Bah, tu vois, moi, depuis le temps, moi, la mienne, elle a toujours pas bougé d'un poil. Pourtant, je suis étonné, hein, parce qu'on dit que le roseau plie et ne casse pas. Par contre, si c'est trop rigide, ben, à un moment donné, ben, ça finit par plier. Et c'est vrai que moi, la Mantova 8, elle est extrêmement rigide. Je vois des tempêtes passer, ceci, cela, elle bouge à peine. Je me dis, un jour ou l'autre, elle va forcément se casser en deux. Quoi. Et ben non. Depuis le nombre d'années, elle a jamais bougé d'un poil, quoi. Bon, pour les éléments verticaux, ben là, ça peut pas trop bouger parce que j'avais doublé déjà à la base tous les colliers, quoi. Au moins comme ça, ça c'est vu, ça c'est fait. Mais c'est vrai que je suis quand même étonné qu'elle pas une seule fois s'est tordue ou quoi que ce soit, rien. Je suis un petit peu étonné, quoi. Et perturbateur FM. Ouais, il y a des perturbateurs FM. Ok, pas de problème, je reste en stand-by sur le 19, malgré que j'ai des perturbateurs FM là derrière, là qui me chatouillent les oreilles, mais il n'y a pas de problème, hein, je reste là. Ok, je vais arrêter à la vigne, j'étais au courant, il n'y a pas de souci. Ok, ben là, de toute façon, je suis pris de mon côté sur l'ordinateur, juste à côté du poste, donc il n'y a pas de problème. À tout à l'heure, sinon à plus. Alors j'ai rallumé aussitôt la caméra. Je croyais que c'était Billy 2-4 qui me répondait, mais non. Vous voyez qu'il y a du monde sur le 19. Il y a du monde sur les 40 canaux. Les 73-51, les stations. Ok, ben il y a du monde derrière. Il y a deux autres stations de la Dordogne, visiblement. Monsieur de Castillon, la bataille, il passe au même niveau que toi, au niveau radio.
Ok, les 73-51 des stations. Oui, je suis avec Billy 2-4 en même temps, là, qui est derrière, là, avec nous. Attends Billy, attends deux secondes. Attends, je vais monter sur les hauteurs de pétage là. Je vais monter sur la hauteur de pétage là. Ça va cartonner là. 56 là de mon côté. Alors c'est. Je suis en bas là, je vais monter sur la hauteur là. Ah mais oui, ça y est, je vois où c'est, je vois où tu es. Oui, c'est bon, j'ai compris où tu es. Ouais, les 73-51, les stations derrière que j'ai entendu là du 24 de la part de Dandy 33. Désolé si je vous ai un petit peu embêté là, sur le 19. C'est vrai que j'ai entendu en premier Billy 2-4, bah, qui est derrière là, il est en train de rouler là, il est dans son push. Il est en train de monter sur une colline là, pour mieux se faire entendre. Achi. Mon lieu la garde, ça fait loin ça. Mon lieu. Ah putain, mais il y a de la propague ce matin là sur le 19. Ah oui, quand même, parce que vu que je suis dans un trou, les 73-51 retournés également, là depuis le trou de Sainte-Colombe. Hachi. Ouais, ben je suis de ce côté-là, je suis pourtant quand même un peu caché. C'est ouais, et puis en plus là, j'ai des grands peupliers qui font bien 30 mètres là entre les deux. Mais ça passe quand même. Ah, j'ai de la moustache FM, là, j'ai des stations FM et tu m'arrives à limite Santiago 1 là de mon côté. C'est vraiment pas évident avec la moustache FM. Là, c'est bon, ça commence à augmenter là. Je suis à 80 mètres d'altitude là. Ah oui. Santiago 8, t'as effectivement, oui, t'as raison, ça a monté là. Je rache le micro pour les autres stations. Station 73, Billy 24 Mobile, sur les hauteurs de Pessac-Lordogne. Voilà. Il faudrait que je monte l'antenne à 40-50 mètres de haut. Oui, c'est pas grand chose quoi. Un pylône de retransmission télé. Voilà ce qu'il faudrait. Les Super 73, voilà, ça fonctionne bien de mon côté là. Voilà. Micro de retour d'Andy, mais tu fais suivre là, il n'y a pas de souci. Je vais regarder l'altitude là, mon altimètre. Ok, Santiago 8, bon Santiago 8 de mon côté. Ah oui, ça marche, ça passe bien là. Oh oui. J'avais entendu une autre station aussi là qui me passait un peu plus fort de mon côté. Pas plus fort que toi, non, parce que là c'est pas possible. Voilà, faudrait être dans ma rue. Qui doit être en mobile, je pense. Qui m'a envoyé les bonnes 73 également là, qui est sur le 24. Je sais pas s'il est toujours là. Alors, je sais pas si c'est la même personne. J'ai entendu quelqu'un là en QRP. Heureusement qu'à ce moment-là, j'ai eu aucun passage de moustache FM ou quoi que ce soit. Non mais il y avait une autre station aussi là qui m'arrivait quand même pas mal, que j'arrivais à bien sortir. Ou alors c'est toi qui t'es largement éloigné, je sais pas. Puis c'est vrai qu'en plus de ça, moi avec la colline de Saint-Magne-de-Castillon là qui fait le tour de chez moi, c'est vraiment pas évident de ce côté-là à sortir quelqu'un. Ah, et Billy, j'entends plus personne de mon côté, hein. Ouais, mais écoute,
je les entends, ça fonctionne de mon côté pour l'instant. Je ne sais pas la combien de temps. 9 plus 10. Je sais pas où passer, là, parce que j'ai vu qu'il y avait des sangliers qui étaient passés là. Oh putain, attends, je me plante. Ah ouais, t'es en train de taper la causette avec des sangliers? Putain, Santiago 9, 9 plus 10, hein, ici. Hein. Il va se faire cher. Ah ouais? À ce point-là? Ah bah là, on a du direct, là. Donc là, d'après ce que j'ai compris, il est en train de dégonfler les roues pour pouvoir continuer à rouler. Autant dire qu'il n'est pas sur la route. Je ne sais pas avec quel véhicule ou engin il est, puisque il a toute... Bon, il est patron. Hein. Il a toute sa flotte d'engins agricoles qui est équipé CBI. Les voitures avec. Donc là, c'est... En plus de CBI loisirs, pour lui, c'est CBI utilitaire. Et il a bien raison. Bon, alors attention, les stations de la Dordogne de ce côté-là, pour Dundee 33 qui en s'appelle. Bon, j'entends plus personne. Attention, les stations de la Gironde pour Dundee 33 qui en s'appelle. Ah, Buffalo. Eh bien, ah bah oui, c'est toi que je crois que c'est toi que j'ai entendu tout à l'heure. Ok, Buffalo. Eh bien, les heureux 73, bonne année. Oui, voilà, ce que c'est ça que j'allais dire. Je crois pas que... Je sais plus si on s'est attrapé depuis. Enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout. 73-51, bonne année, voilà, 2024. Je vais y arriver. Putain, j'ai les neurones qui ont du mal ce matin. Meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO et tout, et tout, et tout. Oui, affirmatif. À partir du moment qu'on répond, moi, justement, alors je place cette petite anecdote, parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, il n'y a personne. Quand on leur demande, est-ce que tu prends le micro au moins, que tu lances des appels, ceci, cela, tu donnes des infos de la route, ceci, cela, et là, la réponse est, pourquoi faire, puisqu'il n'y a personne. Bon, là, c'est un cercle sans fin. Ah, chi. Là, j'ai entendu Billy 2-4, là, tout à l'heure, appeler une autre station. J'ai attendu un petit peu, j'ai enchaîné après en suivant, tac, et puis ça a fait boule de neige. Et j'ai entendu une station de Villefranche, oui, je crois, qui m'arrivait en très QRP, la Santiago 1 à peine, ici au QIRA. J'ai entendu une autre station aussi, et puis toi... Oui. J'ai écouté un petit peu là tout à l'heure, mais ça a débauché ou c'est encore les vacances ensemble? J'ai entendu un double pipe, oui, effectivement aussi. Là, ni l'un ni l'autre. J'ai bossé tout le week-end. Aujourd'hui, demain, je suis en repos. Mercredi, je reprends en nuit. Ok, d'accord. Allez, je ne vais pas taper longtemps. Bonne journée. Et moi, je vais continuer à préparer pour partir au boulot. Ça marche, va bosser pendant que moi je me repose. Il 73-51 à toi, bonne journée. Merci, bonne journée, ciao. Ciao. Alors là, lui, il est environ... Ah, Santiago 3 de mon côté. Ah, ouais, c'est Jean-Michel, oui. Jean-Michel, c'est bon. 4.
Ok, Jean-Michel, effectivement, tout à l'heure, c'était un Santiago 1, un petit Santiago 1. Là, ça a quand même pas mal monté, quoi. Oui, bon, j'ai compris, tu as sorti le vélo, et là, tu es en train de pédaler dessus pour donner encore plus de jus. Attends, il y a Billy de 4 là qui vient de revenir. Ah chi, putain, Santiago 9, c'est passé quoi. T'as dégonflé les roues, putain, mais t'es avec quel engin là? T'es pas avec la voiture là? Si, t'es avec quel engin? Excellent. Oui, Jean-Mi, tu as Billy de 4 là qui vient de reprendre le micro. Il est dans les chemins et il a dû dégonfler les roues pour pouvoir repartir. Retour de micro à toi, Jean-Mi. Ouais, c'est bien ce que je disais. T'as sorti le vélo pour pédaler plus vite, pour donner plus de jus. Hachi, trois coups. Oui, non, mais j'avais bien compris. Hein. Hachi. Bon, ça marche bien, hein, parce que là, bon, c'est... Alors, évidemment, je serai sur la colline, comme Billy de 4 est sur la colline de ce côté. Qu'est-ce que c'est que ça? M'en fous. Je suis à la radio, je suis à la CB. J'ai reçu un SMS, c'est pas grave. Je serai sur la colline, évidemment, ça ferait toute la différence. Mais là, entre toi et moi, il y a quand même, j'ai quand même toute une colline. Je dois avoir un. Alors moi, je suis à 50 mètres d'altitude. Si je me souviens bien des mesures que justement Billy de 4 avait pris, ouais, ça doit être ça, 50 mètres d'altitude ou 50-52 mètres. Ah bon, bref, ça joue pas à grand chose. Et le haut de la colline, qui est entre nous deux, quoi, est à, je sais plus, 80-85 mètres, quelque chose comme ça. Donc, ça me fait un réel mur entre nous deux, et c'est vrai que c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que le signal, moi, ici, au QRA, n'est pas plus fort. Hein. Mais c'est sûr que là, je serai en haut. Alors là, il y a des chances que tu m'arrives avec un bon Santiago 9. Oh oui, facile. Vu les conditions géographiques, oui, parce que de l'autre côté où je suis le plus dégagé, c'est-à-dire côté Bordeaux, il m'arrive d'attraper des stations sur la rocade de Bordeaux. Donc, vu les conditions géographiques, oui, c'est quand même pas mal. Parce que c'est vrai que là, moi je suis côté Dordogne, ça je suis vraiment pas aidé, quoi. Par contre, de l'autre côté, oui. Quand je dis qu'il m'arrive d'attraper des stations qui sont sur la rocade de Bordeaux, c'est en conditions normales, hein, avec rien d'exceptionnel. Et même des fois de l'autre côté, puisque une fois j'ai eu un mille pattes, Barracuda 56. Il était du côté l'autre côté. Pas loin de Pessac, je sais plus, par là-bas, dans ces coins-là. Toujours pareil, hein, sur le 19, comme ça, et ça passait très bien. Hein. Ça passait, bon, ça passait très bien. Bon, pour la distance, je l'entendais, j'ai pas eu besoin de le faire répéter ou quoi que ce soit. Il était même passé par le pont en bas, le pont François Mitterrand, après, au retour, ou à l'aller, je sais plus. Ça passait toujours.
Donc, oui. Il faudrait que quelqu'un puisse me dynamiter la colline. Là, ça passerait mieux. Ouais, ouais, ben, y a toujours Billy Decat qui est avec nous, là, je vais lui repasser le micro, à moins qu'il soit déjà rendu chez lui, qu'il est passé, parce qu'il est au pro, oui. Billy Decat, t'es toujours là ou t'es reparti? Non, non, je suis loin, je vous écoute, mais bon, je vais pas tarder à redescendre dans la plaine, donc ça reste de moins bien passé. Jean-Michel, je le reçois très bien, toi c'est du 9+, là, pour moi. Jean-Michel, c'est pareil, c'est du signal de 8, radio 5, là, ça passe très bien sur le petit mobile. Voilà, mes conditions de trafic, ouais, tu les connais, j'ai pas du gros matériel, là, j'ai un petit président Taylor, un micro Zetagui, là, c'est vrai. M35, puis la Santiago Power 5000, voilà. La grande 2 mètres, la grande canne à pêche sur le toit. Voilà. Mais là, ça fonctionne très très bien. Là, je suis redescendu, je suis à 60 mètres d'altitude. Alors, j'étais à 101 mètres. Voilà. Mais bon, il n'y a pas une grosse différence, parce que je vois le signal, ça n'a pas beaucoup bougé, les amis. Voilà. Mais là, je vais redescendre sur la vallée. Alors, à mon avis, ça risque de baisser, là. Voilà. Voilà. Jean-Michel, si je te rends pas, je te renvoie quand même les super amitiés de Billy 24 mobile. Voilà, c'est le hauteur de Pessac sur la Dordogne qui va redescendre, qui va changer de département pour la Dordogne. Oui, aussi, comme si vous avez donné votre amitié, du bon retour. Alors, les meilleurs et l'heure, ça marche pas trop mal. Hein. Je ne sais pas si c'est la version 1. C'est très bon. Comme quoi, rien ne sert d'avoir du gros poste. Et, bon, c'est bien plus et l'envoi, par contre, c'est très bon en fait. Hein, voilà, les deux amitiés, et puis une prochaine hein, sur la fréquence. Ah oui. Ok, je reste à l'écoute, là je repasse le micro à Denis, bien je descends la côte, là je vais me diriger sur le pont de Pessac d'Ordogne, voilà. Je repasse le micro à Denis, puis écoutez, je reverrai sur la vache. Dans la vallée si ça fonctionne. Retour le micro à Denis. Alors surtout ce poste-là ne t'en sépare jamais, hein. T'as Santiago 9, là quand t'as repris le micro, puis tu m'as décalqué les tympans, quoi. Ah oui, la vache. Ah, il cartonne ce poste, hein. Waouh. Alors, toi, là, c'est un sacré pied de nez à tous ceux qui veulent avoir le plus gros décamétrique au monde, ceci, cela, pour faire juste du 27 mégas avec. Toi, juste avec un petit président Taylor, t'exploses tout, hein. Putain, c'est... Ouais, je connais tes conditions de trafic, là, dans le mobile, et je sais que t'as rien d'autre que ça, quoi. C'est... Ah, il marche fort, hein. Ça a dû baisser drôlement parce que je vais rentrer dans mes sacs là, la vie, voilà. Voilà, bon, j'ai fait une petite modification en gros, tu sais, toujours pareil, avec changer les tirants, hein, deux ou trois bricoles, voilà. Bon, ça fonctionne le mieux. Je voulais pas mal pousser le feu, pense, de parapente, voilà. Allez, je sais pas si vous êtes encore, ça c'est la vie, là. Allez, Santiago 3 de mon côté, ouais, plus ça va, plus ça baisse, effectivement. Bon, là, on va finir par perdre Billy Decat. Jean-Mi, t'es toujours là ou t'es passé à autre chose? Non, je suis présent. Non, je m'entends plus non plus. J'ai perdu dans les QRM. Ah, les QRM, c'est en train de monter de ton côté, c'est chiant ça. Bon allez, moi aussi j'ai affaire là de mon côté. Bon, j'ai un peu de moustache FM là derrière. Ça doit être les pays de l'Est là, qui sont de passage là par chez nous. C'est ouais. Alors, j'ai envoyé les 213-51 à tout le monde. Merci pour les QSO. Je dis les parce qu'il y a eu du monde là ce matin. C'est bien arrivé. Enfin, c'est arrivé d'un peu partout. La bonne journée à tous et à plus tard. Et pour ceux qui basculent après l'après-midi en DX, bon DX. Ouais, je vais pas dire Michel, parle, Jean-Michel, j'arrive à Saint-Sorin de France, là, dans la vallée. Voilà, ça
fonctionne. Le client a baissé, mais je t'entends bien, hein, Denis. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il parle, Jean-Michel. Oui, affirmatif, oui, il parlait. Ah, si. Bon, de toute façon, là, oui, il faut que je passe en QRT. Il est déjà presque 9h10, là. J'ai un peu de boulot aussi, moi, de mon côté, là, au QRA. Et quand on repose, c'est fait pour bosser au QRA. Ah, si. Donc, je vais passer en QRT. Merci, Billy. Merci, Jean-Mi. Merci, les autres stations pour le QSO. Bonne journée à tous. À plus tard. Merci, bye bye. Ah, il y a encore quelqu'un d'autre. Alors là, ça m'a bien fait plaisir parce que là, en ce moment, pour qui, pourquoi. Donc oui, alors en ce moment, sur les réseaux sociaux, une recrudescence de... bon, je le dis en blagounette, quand je dis recrudescence. Alors de gens qui viennent sur les groupes CBI pour dire « Ne vous emmerdez pas, achetez du matériel, il n'y a plus personne ». Ben déjà, ces personnes-là qui commencent par s'équiper CBI, parce que généralement c'est pas le cas, et ils verront que ben si, il y a du monde. Et pour ceux qui seraient déjà équipés CBI, ben, descendez du côté des 40 canaux homologués et vous entendrez aussi du monde. Là, on a une montée de propague, là. On a un peu tout en même temps, là. Alors, en sup. Ah, ça commence à arriver un peu. La fréquence Facebook. Alors, quand je dis ça, 27555, la fréquence Facebook, ça énerve du monde. Alors là aussi, beaucoup pensent qu'il n'y a que le 2755. Ben non, on peut lancer appel n'importe où. Hein. Bon, donc, ouais, 9h10 passé maintenant. On sent bien qu'il la propague, que la propague est là. Alors, il y a des questions posées pour le mode LSB. Ouais, en gros, on va dire que avec la propague américaine-canadienne, ça commence, le mode LSB commence là, ou plutôt se termine là. Donc il est intéressant de fouiller partout. Enfin, de toute façon, c'est sur toute la bande 27 mégas qu'il faut écouter en LSB aussi. Il n'y a pas que l'USB, et heureusement. Alors, vu comment ça passe, ça, ouais, craquera comme ça, bingo, c'est de la FM. Ils ont presque tous des bagnoles électriques. On ne sait pas le fin mot de l'histoire s'il y a un camion qui a été diligenté avec des groupes électrogènes pour recharger les bagnoles, ouais. De ce côté-ci,
sur la plage des 40 canaux, tous les modes sont utilisés. Bon, alors, j'entends quelqu'un, mais il est où? Alors, on va dire que le mode LSB... Allez, ça commence là. Ouais. Juste au-dessus du canal 27. Jusqu'à... allez, en gros, juste en dessous du 4 sup. Ouais, enfin bon. C'est pas du exact, hein, c'est approximativement. Vous voyez la FM, quand on reçoit mal, c'est franchement dégueulasse. Là, il n'y a rien d'audible. Hop. Il y a quelque chose là. Donc là, il va être intéressant de basculer. Oui. Il y a le contexte DX RCKM qui est à court en ce moment. Donc je vais me mettre là. Alors bien sûr, il n'y a aucune imposition sur le fait qu'il faut utiliser le 27-325 pour le contexte DX. Mais bon, pour ma part, c'est la fréquence moniteur kilomac, et je me dis pourquoi pas. Bon, ben j'ai une nouvelle vidéo à travailler. Je vais voir d'abord les messages sur les réseaux sociaux, les copains d'abord. Et le travail de la vidéo ensuite. À plus tard, et peut-être que dans la prochaine vidéo, ce sera le Québec. Ouais. 9 bravo Charlie 555. On est lundi. Ben, il est de retour. Là, il est au QRA. Ils sont en train de faire dodo en ce moment là-bas, vu l'heure. Oh oui, parce que là, qu'est-ce que je vois, 9h15, ça fait 3h15 chez eux. Ouais. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.